Bonjour, aujourd'hui nous allons regarder comment répéter des instructions avec la boucle for in et la fonction range. Alors on va commencer par un premier exemple. Si je veux afficher un texte plusieurs fois, par exemple si je veux afficher 4 fois un texte, je vais écrire for in range 4 et puis après dans le contenu de cette boucle, je vais par exemple écrire print hello. Donc on y va, on envoie ça. Donc là, ça nous fait bien 4 fois hello. Alors après, au lieu d'écrire hello, on peut écrire le contenu de cette variable. Là, on a utilisé une variable a, donc qui va évoluer. Donc on peut regarder, voilà. Et donc là, ça nous permet d'afficher donc le contenu de la variable a qui va de 0 jusqu'à 4 exclus. Hein. Donc alors après, si je veux avoir plus de nombres, je sais pas, admettons ici, je peux mettre 20 hein, au lieu de. Voilà. Et là, je vais avoir les nombres de. Là, je suis obligé de remonter de 0 jusqu'à 19. Donc j'affiche 20 nombres de 0 à 19. Alors là, on peut faire une petite modif. On va utiliser un argument nommé end de la fonction print qui permet de dire ce qu'on met entre chaque affichage. Donc là, on va afficher A et après, au lieu d'aller à la ligne. Hop, on va afficher un espace, donc ça nous permet de voir nos nombres. Donc là, on va de 0 à 19. Alors après, une première chose, rapidement, on commence à dire, bah voilà, comment on fait pour aller de 1 à 20. Alors, une première manière de faire, bah, c'est de dire, au lieu d'afficher A directement, je vais afficher A plus 1. Comme ça, je vais obtenir ce que je veux. Voilà, de 1 à 20. Après, une deuxième manière de faire, ça va être de dire, donc là je reviens à la situation d'avant, voilà, de 0 à 19, c'est dire finalement range, je vais pas le commencer à 0, je vais le commencer, donc on a la possibilité de mettre deux arguments dans range. Le premier argument, c'est la valeur de départ, et le deuxième, on a vu que c'est la valeur de fin, mais qui est exclue. Donc si je veux aller jusqu'à 20, ici je vais écrire 21. Donc on vérifie tout de suite. Donc j'ai bien les nombres de 1 à 20. Voilà, avec donc en excluant voilà de 1 en 1. Alors après, on a le droit également de préciser ce qu'on appelle le pas. Par exemple, on peut aller au lieu d'aller de 1 en 1, on peut dire on va de 2 en 2. Et donc si on fait ça, on va faire 1, 3, 5, 7, etc. Donc là 19, le suivant ce serait 21, mais il exclut, donc on s'arrête à 19. Alors par exemple, si on veut regarder les multiples, tous les multiples de 3, en partant de 0 et en allant jusqu'à 100. Donc là, j'exclus, voilà, donc là, je vais faire de 3 en 3. Et en faisant ça, j'ai tous les multiples, donc 0, 3, 9, etc. Donc jusqu'à 99. Donc le premier, c'est le départ, la limite supérieure et de combien on avance à chaque fois, donc ce qu'on appelle le pas. Alors le pas, il peut très bien être négatif, c'est-à-dire qu'on peut descendre. Par exemple, je peux compter de 10 jusqu'à, là je mets 0, donc de 10 jusqu'à 1, et on va aller de moins 1 en moins 1. D'accord? Donc si on fait ça, hop, on a bien 10, 9, 8 jusqu'à 1. Alors là, on a fait un petit peu le tour de tout ce qu'on pouvait voir. Hein. Donc la première chose, c'est quand on veut répéter simplement. Donc par exemple, si je veux répéter 10 fois, bah, je vais écrire for. Donc là, la variable, on n'est pas obligé de la nommer parce qu'on ne l'utilise pas. Donc on prend une variable underscore. Donc for in range de 10. Et là, on va avoir 10 fois hello. Un autre usage, c'est quand on veut aller compter donc d'un nombre jusqu'à un autre. Donc le nombre de départ. On le met en premier argument et le nombre, la borne supérieure, on va rajouter 1 et on va la mettre en deuxième argument. Donc là, on a les nombres de 1 à 20. Et dernier cas, si on va utiliser un pas, c'est-à-dire que on va préciser le nombre de départ 0, le nombre supérieur, donc la borne maximale, on rajoute 1 et après on met le pas de 5 en 5. Et là, on aurait 0, 5, 10, etc., etc. Sur ce, bah, je vous remercie pour votre attention, et je vous dis à bientôt. Au revoir.